Mesdames et messieurs, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle aventure, celle de Black the Fall, comme ce petit bonhomme a bien voulu nous l'afficher. Commençons tout de suite. Pour ce que j'en ai vu, ça m'a fait pas mal penser à ce que j'ai pu voir de Inside, que j'ai pas encore fait. Qui lui-même, bien sûr, fait penser à Limbo. Donc, au revoir. À savoir un jeu où on avance d'un point vers un autre avec quelques puzzles au milieu. Dans du gameplay 2.5. Ok. On peut s'agrouper, on peut sauter. On peut courir. On peut interagir. Ah, c'est le nombre de trucs qu'il faut qu'on fasse. Ah, on n'a pas fini. J'ai vu une ouverture. Je me suis dit, hey. Ouh. Ok. On va bien sûr essayer de s'échapper. Oh, faut que j'attende qu'il y ait la plateforme, c'est ça? Est-ce qu'elle revient à la plateforme? Non, il faut que j'attende la prochaine, c'est ça. J'imagine. Attendons la plateforme. Je me demande si... Parce que là, on fait tout ça parce qu'on a désobéi, mais... Dans l'hypothèse qu'on fasse les... Les 10 000 trucs, est-ce que juste on a fini notre service et le jeu s'arrête là? Proscrit. Succès déverrouillé. Ok. Ok, énorme. Pas du tout. Oh! Je peux atteindre ça. Énorme. Ok. Oh. D'autres gens comme nous. On se reconnaît parce qu'on a les mêmes antennes. Le code colorimétrique est lumineux pour dire quels sont les objets utilisables. Marche plutôt bien. Oh, ok. Bonjour. Shit. Ok. Ah. Je me suis dit, est-ce que ça passe? Visiblement non. Ah oui, non, d'accord. On se rapproche d'ici. Il faut que je recule. Enfin, faut que je recule. Faut que j'aille plus en bas, en fait. Ok, il m'a pas vu. Énorme. Prenons le truc plus en bas. Ah, faut que je pète cette vitre-là aussi. Vraiment? Je peux pas descendre plus, apparemment. Donc prenons de l'élan. Ah, est-ce que je peux la péter celle-là ou est-ce qu'il faut que je passe par là où il y a la fumée? Parce que j'ai peur que la fumée me tue. D'où le fait que je me sois dit, faut passer en dessous, blabla.
Mais ça se trouve, j'ai déjà ouvert l'accès et tout va bien. Ok. Je pense qu'on peut passer par là, du coup. Énorme. Je pense qu'il arrive pas jusque là. Ouais, c'est bon. Mais arrête! Je travaille. Je travaille. Pas de soucis. Énorme. Bon, au moins ça coupe l'accès derrière nous. C'est pas plus mal. Ah. Alors. Je vois pas un moyen de ne pas se faire détecter. Faut se cacher derrière. Il y a intéressant dans les caisses. Ah, il me repère à mon ombre, je sais pas comment, mais... Oh, nice. Qu'est-ce que c'est? Ok. Allez, ça qu'on va voir. Excellent. Oui. Comment je peux faire là? Mais encore. Est-ce que je peux pas... Je peux aller que sur les côtés, je peux pas aller vers l'avant ou vers l'arrière. Donc je me suis dit peut-être que je peux faire un truc sur la machine, mais pas du tout. Et il est en mode, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh. Alors je peux pas réutiliser la valve. Peut-être qu'il faut que j'enflamme le truc pour qu'il enflamme les planches ou je sais pas quoi, mais pas du tout. Et là, ça a pas l'air de mettre le feu. Je me suis senti tellement intelligent et maintenant je me sens tellement débile. Il y a une autre touche qui sert à faire quelque chose. J'ai pas l'impression. Bah mince alors. Il y a pourtant pas énormément d'outils dans le présent tableau. Je peux pas revenir en arrière. C'est quand même dingue. Et il veut pas agir, il veut pas interagir. Non, il est en mode il pleure. Alors. Oui. Parce que là je verrais bien un truc qui me permette de m'accrocher au robot ou je sais pas. Quelque chose, mais
Ou même de sauter pour prendre appui pour aller par la fenêtre au-dessus, mais... Et là, moi, non. Ok. Ah, il est en mode... C'est hors de question. Mince alors. Ah c'est ouf. C'est ouf, on est déjà bloqué. Il y a rien. Oh. Ok. J'avais pas lu le volume comme ça. Mais admettons. Ça m'a pas l'air super clair au niveau du volume, mais mais my bad. Ah, il dirige les travailleurs comme ça. En disant va là, va là. Que je peux faire. Je peux interagir avec la trappe ici? Non. Je peux interagir avec le bureau non plus. On me dit de faire tomber un truc sur sa tête. Est-ce que j'ai un truc que je peux prendre pour le faire tomber sur sa tête? Oh! Yay! Ok. Ce gant est maintenant à moi! Alors. Ouh. Oh, meurs pas mon gars. Toi. Là. Ok, merci. Ok. Alors non, c'est pas ça, c'est RB. Ok. Mais là, il y a des gaz, machin. Il y a des gaz trucs. Comment faire? Pas comme ça, visiblement. Ok, ça me tue aussi. Ouais, ça c'est pour me dire, faut pas que le robot voit ça. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Vu qu'il voit là le laser. C'est pour ça qu'on est mal. Mm-mm.
Oh. Ah, ils pensent par eux-mêmes. Dans le sens, dès qu'il se fait viser, il va essayer de travailler vers le premier truc possible. Pas grand chose que je puisse faire, vu que je peux pas y aller moi-même. Et je peux pas donner d'ordre à travers le laser. Sweet. Ok, non. Je crois que je me fais avoir. Ah, il faut pas que l'autre arrive. Go, 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 go. Bien joué, poteau. C'est ça qu'on veut voir. Hein? Je vise. D'accord. Oh. C'est inadmissible. Je pense qu'on va en apprendre un peu plus sur l'endroit où on en est dans le prochain épisode de Black the Fall. J'espère que celui-ci vous a plu. On se retrouve pour la suite dès que possible. D'ici là, portez-vous bien. Bye.